Vous n'auriez pas trouvé un bout de papier avec mes notes marquées dessus? Vous avez lu mes notes? Ah, vous n'auriez vraiment pas dû. C'était sûrement pour passer le temps, mais la curiosité est un vilain défaut. Allez, c'est l'heure d'aller au lit. On va bientôt éteindre. Allez, extinction. Par ici. Venez avec moi, suivez-moi. Bonjour, le soleil brille. Bonjour à vous. Vous devez savoir que votre état est très encourageant. Vous pouvez pas vous êtes sur la voie d'une guérison complète. Vous pouvez pas me traiter comme ça. Que quelqu'un me sorte d'ici. Bien sûr, il y a toujours des patients pour lesquels on ne pourra jamais rien faire. Mais je sais que vous voulez seulement aller mieux. Vous devriez faire connaissance. Février approche à grands pas. C'est une année bissextile, une journée supplémentaire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Il paraît qu'on peut faire des choses incroyables lors des journées bissextiles. Comme, une femme qui demande la main d'un homme? C'est fou, non? On m'a dit que vous veniez de voir quelque chose de bizarre dehors. Je ne vois que la neige et les arbres. Vous étiez en train de rêver? C'est un bon moyen de passer le temps ici, communier avec ses pensées. Qu'est-ce qui vous amène dans cet endroit charmant ? Pas du genre confiant, hein. C'est pas grave, mais c'est pas de moi qu'il faut se méfier. J'ai pas de mémoire. Et c'est traitement. On s'y habitue avec le temps. Ouais, je l'espère aussi. Moi, c'est Gordon. Et vous? Bah tiens, la moitié des gens ici ne savent même pas qui ils sont. La douleur ne s'arrête jamais, hein. Je vais faire une petite sieste. À plus tard.
Eh, hey, mon vieux, ça va? Vous étiez assez agité dans votre sommeil. Bon, je voulais vous dire, je veux pas que vous fassiez de fausses idées sur moi. Je sais pas ce qu'ils me font, mais c'est que je ne me sens pas moi-même. Je crois que... Bonjour, messieurs. J'ai la conditionnelle? Vous n'êtes pas un prisonnier. Braque s'occupe personnellement de votre cas. Pour l'instant, prenez vos aises. Putain, Victoria. Vous croyez qu'elle est honnête? Vous pensez quoi? Vous avez contre elle. Je vois qu'on était affamé. C'est bien, c'est très bien. Ce gruau dégueulasse est à base de mégots et de capsules de bouteilles. Oh, c'est vraiment dégueulasse. Je sais pas combien de temps je pourrais supporter ça. Bon, dites-moi, vous voulez sortir? Le plein gré, c'est des conneries, hein? Comment? Vous renoncez à cette cuisine 3 étoiles? Tous prisonniers, quand on y réfléchit bien. Sinon, le traitement vous fait un peu d'effet? Pas par choix, ça c'est certain. Je n'ai pas envie d'en parler maintenant.
Hé, Suzanne, je me disais que... Ah. Thank you.
sens, Victoria. Quand est-ce que je vais sortir d'ici? Désolée, je ne sais pas. Vous m'aviez dit que vous sauriez. Bragg aimerait vous garder ici encore un peu.